Aujourd'hui, c'était le match qu'il fallait pas rater. Voilà, c'est fait, c'est le maintien. Quel est ton sentiment à l'issue de ce match? Le sentiment, il est magnifique. C'est une belle chose. Je pense que le début de saison a été vraiment top pour nous. Après, on a connu plein de creux pendant la saison, mais le travail a été fait. Et le fait de jouer le maintien dans une catégorie à cet âge-là, c'est bénéfique pour eux. Ils apprennent dans la douleur, malheureusement, mais ce sera bénéfique pour la suite. Qu'est-ce que tu as retenu de cette saison, de bout en bout? Je t'ai vu parler avec le groupe après. Tu leur as dit à quel point c'était important d'avoir joué cette saison pour eux dans leur apprentissage. Il y a l'apprentissage du foot déjà en numéro un, mais après c'est l'apprentissage de chaque fois répéter les efforts et d'avoir un nombre de matchs conséquent et surtout de répéter les efforts chaque semaine. C'est ça la beauté du foot, tu peux te récupérer chaque semaine si tu as raté ton match précédent. Mais après maintenant, c'est les préparer justement à l'équipe première où là c'est encore plus intense. Au niveau mental. Est-ce que tu penses que certains, après une saison en D2 comme ils ont vécu, sont prêts à franchir le pas de l'équipe première dès la saison prochaine? Ici, je pense que ça fait peut-être 15 ou 20 ans qu'on attend d'avoir cette situation, que la deuxième équipe des clubs puisse jouer dans une division avec des adultes. Ça a été fait, c'est bénéfique, je pense, pour tout le monde. Maintenant, à savoir est-ce qu'ils sont prêts pour pouvoir rentrer et être titulaire en équipe première, ça c'est notre souhait. Mais après ça, il y a encore des choses à apprendre. Et après, c'est le travail des coachs, que ce soit du coach U23 ou du coach d'équipe première pendant la saison. Mais prêt, on ne peut pas le dire maintenant, mais en tout cas, ils ont un bel apprentissage et ils ont appris pas mal de choses justement par rapport à ça. Ça ne doit pas être facile de jouer pour eux dans une division aussi relevée où finalement, je vais dire, il n'y a pas forcément beaucoup de victoires au bout. Mais c'est surtout l'apprentissage, affronter des hommes, affronter le monde professionnel. Je suppose qu'il y a tout un travail tout au long de la saison pour pas qu'ils perdent espoir ou qu'ils se disent on ne gagne pas souvent. Parce que finalement, le plus important, c'était pas ça. C'était la progression et de les voir grandir à ce niveau-là. Totalement, mais dans cette progression, il y a l'esprit compétiteur qui doit rentrer en ligne de compte pour ces joueurs-là qui ont fait de la formation en académie où le résultat n'est pas très important. Et là, le fait justement de jouer dans cette deuxième division où les autres équipes jouent le titre, pour pouvoir monter, nous on peut rester qu'en division 2 ou descendre peut-être. Et là, ça met un travail supplémentaire sur le dos des joueurs et ça leur met une pression supplémentaire. Après, il y a tellement de facteurs externes qui rentrent en ligne de compte, l'école, tout. Ils sont en pleine adolescence, il y a plein de difficultés qu'ils rencontrent au quotidien, qu'on doit gérer. Et c'est un travail du staff qui a été fait de U23, plus le support de Fergal, le support de Ronny, donc tout le monde a maintenu le travail et a soutenu ce travail. Quel va être pour toi l'objectif de la saison prochaine? Ce sera à nouveau le maintien ou tu as d'autres
d'autres ambitions, je vais dire, pour la deuxième saison? On va discuter en interne déjà pour voir comment ça va se passer, mais l'objectif, de toute manière, c'est en premier, c'est la progression des joueurs, et puis surtout, c'est de voir qu'est-ce qui se passe au fil de la saison. S'il y a possibilité d'aller grappiller plus haut, on ira le faire, bien entendu. Mais l'objectif, voilà, c'est de rester dans cette ligue, de bien travailler au jour le jour et de faire passer le plus possible de joueurs pour l'équipe première. C'est ça la finalité des tournois.